Dernière étape, ou du moins la plus récente de cette guerre du pétrole, entre guillemets, le gouvernement d'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui que les livraisons de pétrole étaient bel et bien stoppées. Le premier choc pétrolier, d'abord, il a été très brutal. C'est quand même une modification profonde des structures de consommation. On a commencé à fermer des raffineries et à faire des produits de plus en plus sophistiqués pour concentrer les investissements sur les raffineries qui restaient. Le gouvernement a décidé et met de plus en plus en œuvre une politique de construction de centrales nucléaires. À ce moment-là, l'industrie pétrolière s'est faite déplacer par le nucléaire. La partie stratégique redevenait la recherche du pétrole. Le raffinage, on s'est toujours dit, il finira bien par suivre. Au large des côtes d'Abu Dhabi se trouve le champ d'Abu al-Boukouch, qui a été mis en production le 21 juillet 1974. Abu al-Boukouch field was a small field, and the partners in ADMA at the time said, well, it's not economical, we're not interested. And Total came and said, no, if the development of this field is important for Abu Dhabi, then we will develop this field. And suddenly we were on the same level with the Anglo-Saxon companies working as partners of the Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. Toujours en mer, il y a aussi l'Indonésie et le delta de la Mahakam à Bornéo, avec l'immense découverte d'Andil, où on va faire 1 milliard de barils d'huile. Et l'Indonésie, ça va être une aussi, après, une des filiales majeures du groupe Total. Mais ces images vous feront mieux comprendre les difficultés que rencontrent les hommes de la mer du Nord pour assurer par tous les temps le ravitaillement des plateformes. Toutes les sociétés ont organisé l'aventure. Mer du Nord. Il y avait 3 grands pays, la Norvège, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé des technologies à l'époque qui étaient assez révolutionnaires. Et pour un jeune ingénieur, c'était passionnant. En même temps qu'on développait Frigg, la découverte d'Alouine a été faite. C'était un champ d'une taille moyenne. Le coût de développement était aussi assez élevé, mais on a été sauvés parce que Alouine a été développé comme un champ d'huile, mais c'était aussi un très gros champ de gaz. La mer du Nord, on peut dire que c'est un peu le berceau commun en fait, des 3 compagnies qui ont créé Total. Hein. Total elle-même avec Alouine, Fina avec Ecofisc, et puis Elf et Total aussi sur Frigg. À l'époque, toute l'industrie pétrolière se diversifie dans la mine, mais également se lance dans le solaire. Les cellules photovoltaïques, à base de sulfure de cadmium, transforment la lumière en électricité. Vous avez d'un côté un groupe Elferap qui se redéploie, qui a un domaine minier riche, mais qui est 100% étatique, et donc avec des ressources limitées. Puis de l'autre côté, une société SNPA qui, elle, profite des productions et donc des cash flows qui viennent de lacs. Donc l'idée vient évidemment assez rapidement de marier ces deux sociétés. Pierre Guillaumat a fusionné l'ensemble sous l'appellation de Elf Aquitaine. Ceci a été un grand succès car le groupe s'est immédiatement porté vers les développements nouveaux, vers le futur. On est encore dans la foulée de l'ère pompidolienne et donc de la volonté de créer un champion national du pétrole et du gaz capable d'intervenir sur tous les éléments de la chaîne. L'association Elf Italiana Agip parie sur l'avenir et décide de réaliser la première application industrielle au monde de forage horizontal, Rospomare B. In 1980,
I was offered the position of project manager for a horizontal drilling R&D project. When the head of R&D told me that I was going to be drilling at 90 degrees, I kept my mouth shut, but I had my doubts. I said to myself, why not? A decade later, the drilling industry had no more doubts. Barring a good reason to drill vertically, every well was horizontal. André Jourdan, drilling engineer. And there's one phrase that really sticks in my head. I said to myself, why not? And I feel like that today. If you really believe in the technology that you're working on and you can show that enthusiasm, then other people start to believe. So for me, that's a really strong phrase that I believe in with my work today. Rappelons que ATTO est né de l'association des groupes Aquitaine et Total. Tout allait bien, et c'est à ce moment-là que le gouvernement a demandé à M. Chalandon, et au président de Total de l'époque, d'absorber une société de chimie qui s'appelait PCUK, Produits Chimiques Ugine Kuhlmann. M. Chalandon a accepté, le patron de Total l'a refusé, et c'est ça qui a été à l'origine du départ de Total de la chimie commune. Et donc la chimie commune est devenue à ce moment-là une chimie purement elf, elle s'est appelée Elf Atochem. Atochem, si vous lisiez la presse de l'époque, c'est « ils vont survivre 6 mois ». Bon, ce 6 mois, c'est le Arkema d'aujourd'hui, donc on voit que ça s'est bien passé. Récemment, nous avons vu la libération du prix du pain, et maintenant, c'est le secteur des produits pétroliers qui, à son tour, va être soumis aux lois de la concurrence. Ça a été l'explosion de la part de marché des grandes surfaces en vente de carburant, et du coup, des nécessités de réaction très fortes de l'ensemble des réseaux qui, à ce moment-là, se sont lancés dans les rationalisations de réseaux, la fermeture de points de vente, et là encore, un effort de diversification des services et de positionnement des marques extrêmement importantes pour réagir et fidéliser une clientèle. Mademoiselle, pourquoi avez-vous choisi cette station? Alors là, j'avoue que... au pif. Par hasard. L'indifférence? Il n'y a rien de pire. Alors nous, Total, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que bientôt, vous ne veniez plus chez nous par hasard. Les marques ont choisi des positionnements tout à fait différents. Total, très vite, a pris le positionnement service. Elf, de son côté, a pris le positionnement excellence technique. Tant que l'homme voudra aller plus loin, Elf mettra tout en œuvre pour qu'il puisse aller encore plus loin. Elf, une passion qui trace la route. Nous allons tenter de comprendre ce que signifie cette baisse du dollar et du pétrole. En 1986, les prix du pétrole étaient très bas et pour la première fois de son histoire, Total a décidé de faire un plan social dans la partie exploration-production. Il y a des moments qui sont durs à passer, mais finalement, si on s'y prend bien, on arrive à passer ces moments et puis ensuite à rebondir et à repartir. Elf a réalisé 10 milliards et demi de bénéfices l'an dernier. Près de 6 millions de ses actions seront proposées en bourse. En 1991, il a été décidé par le président Serge Tchuruk de faire coter Total à la bourse de New York. Elf avait pris la même décision quelques mois auparavant. Il y avait aussi, je dirais, une certaine reconnaissance recherchée à travers ça du nouveau statut d'Elf Aquitaine parmi ses confrères. On devenait une compagnie pétrolière internationale comme les autres. C'était vécu comme vraiment une petite révolution. C'était la vieille dame d'Auteuil, tout d'un coup, franchissant l'Atlantique. On changeait de catégorie, on changeait de dimension. Et puis intervient donc la privatisation emblématique. Quand il reste 5 jours pour devenir actionnaire de la première valeur française, est-ce que vous hésitez? Vous pourrez bientôt vérifier la qualité de notre entreprise en devenant actionnaire de Total. Total, vous ne viendrez plus chez vous par hasard. La grande aventure dans les années 90, ça va être le Deep Offshore. C'est le fameux bloc 17, c'est le puits de Girasol, avec une découverte phénoménale et qui va faire changer vraiment l'image du groupe. Alors qu'on ne savait pas encore comment on allait opérer par des profondeurs de 1400 ou 1600 mètres, il en fallait du nez et de l'aplomb pour prendre des permis sur Girasol sans vraiment savoir si on allait trouver quelque chose et surtout si par la suite nous saurions le développer. C'était cela l'esprit pionnier. Poursuivre en conservant la volonté et l'audace. Christophe de Margerie.
Cette lettre, elle évoque pour moi la passion et la fierté de ceux qui ont fait partie de l'aventure et qui ont eu la confiance du groupe pour développer des projets incroyables dans des conditions parfois difficiles. Mi-96, le cours de bourse d'Elf-Aquitaine n'est pas très élevé. Énorme potentiel dans l'offshore profond. Tout ça introduit une certaine fragilité. Si vous avez une société qui n'est pas très bien valorisée en bourse et qui a un énorme potentiel, la tentation est forte pour ses grands concurrents de vouloir en prendre le contrôle.